Et bonjour tout le monde, c'est Alundra. On est parti pour la suite du let's play sur Resident Evil HD Remaster, pardon. Donc je suis désolé pour les 5 premiers épisodes qui n'ont pas été commentés. C'est de ma faute, le microphone était coupé, donc je suis désolé pour ça. Donc si vous voulez m'entendre parler, donc c'est à partir de cet épisode là. Donc voilà, on a vu dans les épisodes précédents, bon, j'ai activé pas mal de choses, et là il y a des portes que je n'ai pas ouvertes, donc on va aller les ouvrir directement. Alors je sais qu'il y en a une ici quelque part, je crois, là-bas, oui. Donc là-bas, et j'ai dehors aussi, j'ai à l'extérieur, hein, allez voir. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas encore été à l'extérieur, mis à part le cimetière. Donc c'est ici, je crois. Et voilà, le crochet de serrurier. Donc ne vous en faites pas si vous entendez des craquements, les grincements, c'est ma chaise. Hein. Ah merde, bah alors, ouvre la porte. Donc ne vous en faites pas, c'est la chaise qui commence à rendre l'âme. Ok, on est dehors. Alors des herbes vertes. Des herbes vertes poussent ici, vous n'en avez pas besoin pour l'instant, d'accord. D'accord, ok. Ça c'est quoi? Ok, un vitrail. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à faire dehors? Donc par contre, je vais peut-être m'équiper de mon fusil à pompe. J'ai l'impression de qu'il va se passer quelque chose. J'ai peur. Il y avait aussi une lettre, que rappelez-vous, que j'ai lue. Avec le sifflet de chien, mais je sais pas où il faut activer. Peut-être c'est ici. Ok. On va essayer. Alors, une sorte de plante. Ok. Ok, on entend les chiens. Bon, écoutez, je vais essayer. Il est où mon sifflet? Est-ce que j'ai pris le sifflet? Ah, il est là. Utilisez. Vous avez soufflé dans le sifflet pour chien, d'accord? Oula. Ok. Oula, merde. Oula, vache. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est mort? Oula, merde. On a la deuxième. J'entends, et viens mon coquin, petit Doberman. Et viens mon ami. Est-ce que t'es mort? Bah, écoutez, on va récupérer. Merde. On va récupérer ça, c'est quoi? Alors. Collier. Ok. Un collier. D'accord. Donc ça m'a donné un collier. Examiner. Ok. Ça fait quoi? Inhabituel, ok. Bon, je sais pas à quoi il va servir pour le moment. Donc, est-ce qu'il y a rien à récupérer? C'est là. Une sorte de pente. Ok. Donc, on a un collier, d'accord. Il y a une porte là. Ok, il y a encore des putains de Doberman là. Vous avez déverrouillé la porte. Vous n'avez probablement plus besoin de la clé. Du sifflet pour chien le jeter. Ok. Donc, on a jeté la clé plus le sifflet, d'accord. Donc, on a récupéré le collier. Oula. Alors, voyons voir. D'accord, ça nous ramène ici. Ok. Donc, ça tombe bien parce que je voulais voir quelque chose. Merde, qu'est-ce que je fais là? Ok, on va se diriger par ici. On va se diriger par ici. C'est dehors que je voulais aller, mais je sais plus par où. C'est pas ici. Vous savez, la deuxième machine à écrire. C'est pas par ici, je crois. Je sais plus. Attendez. On va regarder. Machine à écrire, donc c'est là-bas. Donc c'est en haut à droite. Où il y a le coffre. Et moi, je suis là. Ok. Donc c'est pas ici. Comment je pourrais faire? Il faudrait que je descende en fait. Il faudrait que je descende et que je passe. Attendez. J'ai pas de bêtises. À moins que je passe par là. Je crois que je peux passer par ici. C'est plus rapide, je crois. Ouais, je l'espère. Attendez, je regarde 2 minutes. D'accord. Mon téléphone. Alors, est-ce que c'est ici? Est-ce qu'elle est toujours verrouillée cette porte? Ouais, toujours verrouillé. Ok, à mon avis, ça va se débloquer par derrière. Okay. Putain, j'ai toujours peur des zombies qui se réveillent là. Problème du murmure. Ok, donc à mon avis, c'est pareil. Ça va se déverrouiller par derrière. Est-ce que c'est là? Je sais plus.
Je crois qu'ici il y a une porte que je n'ai pas ouverte. Je crois. Voyons voir. Attendez, je me souviens plus là. Il n'y a pas de poignée sur la porte. Vous ne pouvez pas passer. Ok, donc là on est à la machine. Donc c'est quoi, on va sauvegarder. Ça me semble correct. Pour éviter de crever. Voilà. En même temps, on va déposer le collier de chien. Je sais pas à quoi il va servir. Et là, il faut que je me souvienne. Dehors. Je sais plus du tout. Hein. Ok, donc on va le poser. Donc on a pas mal de choses dans l'inventaire. C'est quand même pas mal. J'ai de la poudre, j'ai des rubans. On va prendre les rubans. Ok. Donc j'ai pas utilisé de munitions quasiment depuis le début, hein, comme vous avez pu voir. J'ai tué quelques zombies, mais. Alors. C'est celle-ci. Donc la première sauvegarde ne me sert à rien, hein, forcément. Ok, donc on a sauvegardé. On va repositionner les rubans. Sachant que, voilà, hein, c'est les versions remasterisées. Donc les Resident Evil étaient deux fois plus difficiles à l'époque. Moi qui ai connu les Resident Evil sur les premières consoles, hein, quand j'étais plus jeune. Donc c'est tout un système de rubans, etc. Et quand on voit maintenant les Resident Evil, la facilité dont on peut avancer, c'est n'importe quoi. Hein. Ok, attendez, la poignée de porte est cassée, vous ne pouvez pas passer. Ah bon, d'accord. Ok. Bah écoutez, punaise, moi je peux pas passer par. Ok, attendez. Donc on est dehors. On a eu le collier. Ok. Je sais qu'il y a une porte que j'ai pas été là. Bon, il y a sans doute plusieurs portes que je n'ai pas accédé, mais. Je sais, si je me souviens bien, dehors, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé dehors. Ok, donc ici je me souviens très très bien. C'est où on a allumé la cheminée. Donc on tourne quand même en rond dans le jeu, forcément. Les souvenirs sont très très lointains. Je me souviens plus du tout exactement. Ok, donc là je crois que c'est la poignée qui est cassée. Je ne peux pas passer, oui. Forcément, donc là, j'ai pas le choix de passer par ici. Attendez, j'essaie de me souvenir. L'endroit où je peux accéder dehors, en fait. Attendez, je suis pas passé ici, je crois. Je sais plus. Si, je suis passé, mais. En fait, il fallait que je regarde avec la carte. Avec ma carte, je pourrais vraiment me situer plus facilement. Ok. C'est quoi ici? On a rien ici. Ok. Attendez. On va contrôler parce que faut pas oublier que les Resident Evil de cette époque là. Ok, j'ai pas vu qu'il y avait un truc ici. Y'a rien là. Y'a rien ici. Un jeu d'échecs. Ok. Ok. Non, y'a rien. Donc. Oui, je disais. Les tout premiers Resident Evil sont deux fois plus difficiles. Parce que. Toutes les choses sur les murs, etc. Putain, mais en fait, je reviens là, d'accord. Donc, ici c'est fermé. Putain, mais pourquoi je reclique dessus? Je suis débile, quoi. Donc ici, je suis allé. On va passer par en bas. Alors. Par contre, je cours deux fois ma vite avec le pompe dans les mains. C'est un peu pénible. Ah oui, mais ici, je peux pas passer là. Je peux pas passer. Il y a une porte ici, non? Il y a une porte ici où c'est un. Ah non, c'est le bois en fait. La poignée est cassée. Mais oui, mais. Je peux pas y accéder en fait. Comment je fais? Bon ben, il n'y a qu'un seul moyen. C'est de repasser par ici. Hein. Ah ouais, mais. Mais attendez. Putain, je me suis perdu là. Je me suis perdu bêtement, tout seul, comme ça.
Donc on a été sifflé. Donc on va passer par ici. On va repasser ici. Donc. Alors. Voilà, ici c'est fermé. Ici on le sait, c'est fermé. Ok. J'essaie de me souvenir l'endroit de dehors. Vous savez, pas le cimetière, mais l'autre endroit. Attendez. Non, c'est pas ici. Ici, c'est quoi déjà? Ici, c'est la machine à écrire, je crois. Oui, c'est ça. Oh, c'est quoi? On va ouvrir là, là. Vous savez, la porte d'entrée, c'est là, je crois. Qu'est-ce que c'est là? On va regarder. Non, c'est pas là. Ah, c'est vrai qu'ici, on n'est pas passé là. On n'est pas passé. On y est passé, mais. Mais ce que je veux dire, quoi. Non, c'est pas là, mais qu'est-ce que je fais? C'est là, voilà. Ici. Si je me souviens bien, il y a un Doberman à la con, là. Ah oui, voilà. Je me souviens. Alors. En fait, ils sont trois, quoi. Ok. Trois Doberman, sa race. Allez, lève-toi, connard. Il est mort ou pas? Ok, il y a du sang. Donc il est mort. Il est mort, il est mort. Est-ce que je peux passer? Mieux. Faut pas ouvrir cette porte, c'est trop dangereux. D'accord. Ok. Donc c'est où je voulais passer? Machine à écrire. En fait c'est rouge, mais c'est-à-dire que je n'ai pas exploré entièrement, voyez-vous? Qu'est-ce que je veux dire? Ok. C'est-à-dire que je n'ai pas. Ah oui, mais oui, c'est l'endroit où il y a la clé là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne me souviens plus. C'est un système de clé, mais. Attendez. Ouais, c'est ici. Ici, c'est le système de clé là. Vous voyez de ce que je veux dire, quoi. Attendez. Donc là, on avait récupéré le bouclier. De me souvenir en même temps. Donc là je me souviens. Forcément, c'est les premières scènes là. Là c'est pas où il y a les corbeaux, je crois. C'est où il y a les corbeaux ça? C'est où il y a ces fichus corbeaux là? Ah c'est ça. Donc ouais, ici on y est allé. Donc ici c'est pas là. C'est pas ici. Alors. On va tourner en rond hein. Pendant plusieurs. Le jeu va nous faire tourner en bourrique. Donc après, c'est le but des premiers Resident Evil. Y'a rien ici. Non, y'a rien. Merde, pourquoi je repasse ici, bordel? Bah, ici, je voulais aller. C'est pas là. C'est pas là que je voulais aller. C'est pas ici, putain. Allez, réfléchis. Même moi, je parle à moi-même. Forcément, il faut réfléchir. Alors. Ici. C'est verrouillé. Ok, à mon avis, c'est encore un truc qui va se déverrouiller. Une fois. Ici, je me souviens. Donc, c'est là sans ça qu'il n'y a pas de. De. Comment dire? Là, on y avait été ici. C'était le truc là. Comment ça s'appelle déjà? Avec la clé. La clé du manoir. Donc c'est dehors. Je crois. Non, c'est pas dehors. Ah oui, mais attendez. Peut-être que là c'est ouvert maintenant. La porte est verrouillée. Et puis de l'autre côté. Bon, on peut pas. J'ai rien pour utiliser. Si je me souviens. Là c'est où il y avait le macabé là. Il est là. Et là c'est ça, l'alimentation a l'air d'être coupée. Il y aura quelque chose à faire ici. Pour sortir aussi dehors, mais je me souviens plus. C'est ici que je suis entré, non? Ouais. Alors. Réfléchissons. Donc, on va remonter.
remontons, remontons. Passons ici. Voilà, on va revenir. Donc c'est pas ici. Est-ce que c'est ouvert? Non. C'est fermé toujours. On va repartir. Donc c'est en haut en fait, je crois. Il y a bien une porte que j'ai pas ouverte. Et je sais que dehors, à l'extérieur, il y a un autre passage à l'extérieur que je n'ai pas été. On n'y est pas allé là-bas. Ça je sais, je me souviens d'un passage. Alors, de toute façon, il y a énormément d'endroits dans le manoir là. Il est tellement grand, putain. Allez. Merde. Quand je suis bourré ou quoi? Bien sûr, je ne bois pas d'alcool. Hein, donc, alors, voyons voir. Donc, c'est plus. Est-ce que c'est par ici? Écoutez, on va y aller. Le problème, c'est que même sur la carte, si je me dirige avec la carte, je ne sais plus du tout. Par quel côté c'est en fait. Je crois que c'est à la. C'est où il y a la première machine à écrire, mais merde. Elle était ouverte celle-ci ou pas? Ouais, si elle était ouverte. Je suis déconné. Attendez. C'est tout droit, je vois l'allée. Là, on est à la machine à écrire en fait. Donc. Ici, voilà. Ici. Voilà. En fait, je sais plus du tout. Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Non, c'est pas ici, bordel. C'est pas ici du tout, là. Attendez. Ici, c'est vert. Donc, c'est là, en fait. Que je voulais aller. Machine. Ça c'est au coffre-fort. Je voudrais aller. On va ressortir. Attendez. C'est où je vais sortir. Donc c'est là, là. Ou c'est là. Attendez. Je vais repartir ici. Parce que je vois que où il y a le coffre. Le coffre-fort. C'est rouge, voyez-vous. Regardez. Merde. Ah merde, c'est pas là que je voulais aller. En fait, c'était bien là-bas. J'ai fait n'importe quoi là. Donc c'est bien là-bas que je voulais aller. Ah, du moins, je l'espère. Parce que je sais qu'il y a au moins une porte ou deux que je n'ai pas ouvert. C'est sûr. C'est certain. Il y a bien une porte à l'extérieur. C'est obligé. Attendez. Regardons. Là, c'est vert. C'est là en fait, là, au coffre que je voudrais aller. Moi je suis là. Alors attendez. Il faudrait que je descende, c'est ça? C'est bien ça. Oui, c'est ça. Et là? C'est ici alors. Et c'est là en fait que je suis. Vous voyez, je peux pas y accéder là. Parce que la porte est bloquée ici. La poignée de porte est cassée. Vous ne pouvez pas passer. Oui, je suis un peu emmerdé là. Je suis emmerdé. À moins qu'il y a une porte secrète ici, mais ça m'étonnerait quoi. Parce que j'aurais été alcoolisé, les yeux fermés en entrant ici quoi. Voilà, il y a quelques. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Sa lumière chaude vous détend. Ok. Il reste environ. Ouais, ça je sais. Ah, d'accord. Instruction spéciale pour la destruction de cadavres. Donc elles sont capables de revenir à la vie. Oui, bah oui, ça je le sais. C'est pour les cramer. Pétrole, sauf je sais une manière. Ouais, ça je sais.
Donc là, normalement, il est encore rouge ou pas? Il est rouge. Sa lumière chaude vous détend. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dessus. Non. Je sais pas. Vieille boîte. Bon, écoutez. Boîte. Ok. Ah, c'est peut-être le kérosène en fait qui est rouge. Moi je pense. Donc, réfléchissons. En fait, il fallait que j'accède ici, là. Toute la partie là. Même là en fait, quand je regarde, j'y ai pas accès là. Vous voyez là. Là, ici, là. Attendez. Ah, en fait, dès que je monte, je suis emmerdé, quoi. C'est ça le problème. Ok. Alors là. Là, je sais pas ce que c'est les étages. C'est dehors, à mon avis, ça. Alors, ça va m'amener où? En fait, c'est l'étage là, en fait. Fait que j'aille. Là, c'est où, là, le manoir? Premier étage. Okay. Donc, écoutez, on va chercher. On va chercher. Donc, ah ouais, c'est vrai. Bien. Fermé ici. On va chercher par où on peut passer. Donc on verra bien. Hein. Alors. Ouais, mais ici j'y suis allé là. C'est que je suis con. Ah ouais, mais il y a une porte ici, c'est vrai ça. On met la casque. Ok. Ok. T'as bon. Ok. Oui, ça c'est la cheminée. Ok. Ok. Oh, je me souviens plus. C'est pénible. Donc, c'est pas par ici. C'est sûr. Pas une porte ici cachée là qu'on ne verrait pas. Donc c'est pas cet étage, c'est sûr. On n'a pas le choix, on va passer par ici. Il y a bien une entrée, une porte que j'ai pas ouverte et que j'ai pas fait attention. Je sais qu'à l'extérieur, c'est sûr. Attendez. On va regarder. Donc on va bien passer par ici. Donc là, c'est la porte là qui est condamnée. Ok. Donc ça, cette porte là est condamnée aussi. Voilà. On ouvre ici. Donc on a deux portes qui sont condamnées ici. En fait, je sais plus comment j'accède en haut là, à l'autre étage. Cette porte là est condamnée. Ça, ok. Il y a quelque chose que j'ai pas inspecté. Mais à quel étage? Ça, c'est une autre histoire. Alors, voyons voir. C'est quoi? Ici, c'est quoi déjà? Ici, c'est la salle avec la carte que j'ai eue au début, je crois. Je crois, si je me souviens bien. Non, bah, c'est ici en fait, je voulais aller, je crois. Il y avait le zombie, hein. Attendez. Ah oui, mais ça, c'est l'étage. Je sais pas que. C'est l'étage. Comment ça s'appelle?
l'étage, vous savez, avec la clé là. La clé qui est bloquée. Ok. Rien ici de toute façon. Non. Ok, mais il y a une porte là en fait. Ah, mais j'y suis allé ici, je crois. Je sais plus. Est-ce que j'y suis allé ici? Ouais. Ici, j'y suis allé. Donc, c'est là où on a appelé les toutous. Ok. Donc là, nous y sommes. On est ici. Est-ce que c'est là? Peut-être ici, non? Attendez. Regardons. Donc c'est où? C'est là? C'est verrouillé. Ok. Et donc la porte là. C'est ça, non? Oh, je sais plus. On va l'ouvrir et j'espère que je peux repasser la rouvrir et revenir si jamais. Ok, c'est la porte ici. D'accord. C'est cette porte là. Ok, donc là on est ici. Donc ici je me souviens. Ok. Attendez. Donc cette porte là, la porte qui est verrouillée. La porte là c'est quoi là? Ok, donc la porte là c'est celle qui nous ramène là où on était. Attendez, j'ai vu quelque chose là. Il y a une porte là, non? Que l'on peut accéder. Que j'ai vu là. Donc attendez. Peut-être que... Peut-être que j'ai oublié une porte. Non, pas là. C'est ici. On va passer ici. Et à moins que c'est la porte là en fait que j'ai vu sur la carte. On va voir. Non. Donc c'est cette fameuse porte. Problème de casque, d'accord. C'est sans doute une porte. Non, ça, ça va nous amener. Donc c'est quoi? On va descendre. On va descendre ici. On va descendre. Attendez. Ok, là c'est un mur. Là c'est la. Ah, c'est peut-être pas ici que je voulais aller. Ah, c'est peut-être pas ici. C'est sans doute pas ici en fait. Ici c'est quoi? Je suis là. Je sais plus, bordel. C'est quoi ici? C'est une porte que j'ai pas accès, ça. C'est verrouillé. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Ok. Ok. Bah écoutez, bah voilà, si, hein. Oh, je sais plus. Alors, on est où ici? Attendez. Ah oui, ici c'est le fusil. Le fusil à pompe. Vous voyez? C'est le fusil à pompe que l'on avait récupéré. C'est le fameux fusil à pompe. Donc il n'y a rien à faire. Ah mais je me souviens que j'avais réussi à ouvrir cette porte là, non? Ici là. J'étais réussi à passer ici, non? C'est verrouillé. Problème d'une armure. Oh, je me souviens plus. Mais pourtant, je pensais avoir réussi à passer. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Ok. C'est bien un endroit que je n'ai pas été. Hein. Donc on va tourner en rond. Écoutez, on va passer là. Puis
Bon. Alors. Voyons voir. Ok, donc là, c'est la fameuse pièce. Ici, c'est la fameuse pièce avec. Attendez. Ici, là. C'est quoi ici déjà? Ah oui, mais ici, c'est pour revenir dans la pièce de base, je crois. Donc ici, c'est les. Alors ici c'est rouge, d'accord. Peut-être quelque chose que j'ai pas inspecté. Grand cage, ok. Là je sais. Attends les corbeaux, mais. Ok. Alors là, là j'ai un trou de mémoire. On est où là? Ah on est ici en fait. Ah c'est peut-être ici, mais c'est pareil, je peux pas les ouvrir. C'est les portes bloquées là. Ici. Et ici c'est les portes bloquées. Ici c'est les fameuses portes bloquées. Écoutez, on peut faire une petite pause je pense pour se retrouver pour la suite de Resident Evil. Donc on va faire une petite pause. Donc on va essayer de trouver hein, l'endroit où on doit bien se cacher quelque part. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces si ça vous a plu. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de Resident Evil HD Remaster. Ciao, bye bye.